Alors, je m'appelle Aurélie Blot, je travaille au CHU de Poitiers en tant qu'infirmière depuis 10 ans. J'ai fait 9 ans et demi d'hématologie, donc tout ce qui touche le cancer. Et là, je suis en chirurgie cardio-thoracique et vasculaire. Dans mon travail, ce que je préfère, c'est être au plus près du patient et pouvoir écouter ce qu'il dit quand il souffre ou il stresse et pouvoir soulager cette souffrance morale ou physique, que ce soit avec des traitements ou avec le relationnel qui compte beaucoup dans ce métier-là. Et il y a aussi beaucoup de travail d'équipe et pouvoir être plusieurs à travailler autour d'une personne pour qu'elle se sente bien, c'est très important. La plus grosse difficulté, c'est que l'hôpital, c'est plus un hôpital mais une usine où il faut faire de l'argent et du coup, on nous enlève beaucoup de moyens personnels et matériels et du coup, on n'a plus le temps de faire notre métier comme on aime. Voilà, parler avec les patients, on court tout le temps, même si les patients essayent de nous dire non, mais c'est pas grave, allez voir la prochaine personne. C'est pas notre métier et c'est malheureux, on n'a pas de reconnaissance et on nous demande de faire plus avec moins. Il faut voter parce que les élections, on élit des personnes qui nous représentent auprès de la direction et c'est très important pour les droits du travail. La CGT, pour moi, depuis 10 ans que je suis infirmière, c'est le seul syndicat qui écoute vraiment le personnel, qui est au plus proche de nos attentes et c'est le syndicat qui va agir mais avec le personnel, qui ne va pas faire les choses de leur côté. Et voilà, c'est les plus représentatifs au niveau du personnel.